عنوانه جو مابيل تونيزي. وسيصدر هذا النص خلال شهر نوفمبر في كتاب جماعي عن دار جاليمار الفرنسية بمناسبة مارسيليا عاصمة للثقافة الأوروبية سنة 2013. وقد وقع اختياري، وهذا شرف كبير لي، لأمثل تونس مع مجموعة من الكتاب المتوسطيين، يعني من المغرب طاهر بن جلون، من مصر علاء الأسواني. يعني بن جلون سيتحدث عن علاقة المغرب تحديدا الدار البيضاء بمرسيليا، وعلاء الأسواني سيتحدث عن علاقة الإسكندرية بمرسيليا. وأنا تحدثت عن علاقة تونس العاصمة، حيث درست في دار المعلمين العليا قريبا هنا. Je m'appelle Tunisie. À Alma et à sa mère Salma, au nom de l'avenir qui est aussi amour, à la Tunisie, au nom des sacrifices passés et des grands édifices à venir. Je m'appelle Habib Bourguiba. Je suis né à Monastir, en Tunisie, le 3 août 1903. Je suis le premier président de la République tunisienne. J'ai réussi à imposer à la France entière et au monde entier un modèle auquel j'ai toujours cru, même si, je l'avoue, je n'ai pas été un grand démocrate. Cela dit, mutatis mutandis, j'ai foi en mon œuvre et en ce que j'ai laissé derrière moi. Je m'appelle Arslem Trimish, je suis marchand ambulant. Je me suis immolé par le feu le 3 mars 2010 à Monastir, en Tunisie, parce que ma petite voiture ambulante, à bord de laquelle je cuisais des briques à l'œuf, a été confisqué par la police municipale. J'étais marié et père de 3 enfants. Je m'appelle Mohamed Bouazizi. Je suis marchand ambulant. Je me suis également immolé par le feu le 17 décembre 2010 devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid en Tunisie, parce que ma petite voiture ambulante à bord de laquelle je vendais des fruits a été, elle aussi, saisie par la police municipale. J'étais célibataire. J'ai cependant laissé derrière moi une famille et un pays qui a répondu à ma rébellion. Je m'appelle Mohamed Etoumsi. Je suis né à Hammam Sousse, en Tunisie, le 3 février 1987. J'ai vécu la révolution tunisienne en tant qu'élève de l'école préparatoire aux académies militaires de Sfax, section aviation armée de l'air. Je n'y étais pas prêt, personne n'y était préparé, et pourtant cela a eu lieu. J'ai modestement, en tant que soldat de l'armée tunisienne, veillé à ce que la révolution soit. Il est 5h55 du matin, mes amis. Ne pensez pas que je me sois levé pour prier, Dieu ou Allah, ou je ne sais. Une bruine vient parler ou faire parler la terre de mon pays, de ma terre. Je l'entends lui murmurer son amour, ses crispations. De janvier, sommes-nous le 15 de l'an 2011, à 6h déjà, du matin frêle. La lumière n'est pas encore certes là, mais pour nos amours, elle sera au rendez-vous, sous peu. Je veux être de la cendre sous toi, ton souffle même, lui, ne me ranimera pas, jamais, mort, mourant, mortel, pour peu que j'y sois. Il le faut pour savoir qu'on y était. Des fois, la lumière s'éteint, parfois cependant un ray de lumière que l'on qualifierait d'improbable se manifeste. Mais l'obscurité a, semble-t-il, aux grandes dames de tous, son nom, son mot à dire. Celle-ci, encore dans la douleur, s'en trouve éblouie. Elle n'y peut rien, les papillons de nuit ont épuisé le peu de souffle qui lui restait. Il n'en reste plus désormais que des rides de lumière. De lumière ridée. La lumière est éblouie par l'obscurité, barbe longue, limaille de fer, ce qui pique n'a rien de la douceur du hérisson. Il est plus de noir vêtu que de vert blanc. Les versets sont les mêmes, le chant, lui, s'obscurcit à force de décibels comblant les silences du Tout-Puissant Dieu miséricordieux. Ils le veulent pourtant vivant, ils l'exigent omnipotent, ils le vivent poison. Les versets sont les factions dormantes du bien,
À cran d'arrêt cette fois, le sang coulera, les visages rasés seront les pages vierges sur lesquelles s'écrira l'ultime verset. L'avenir de notre pays n'est plus désormais un acquis. Il nous faut aller de l'avant, aller à la rencontre de nous-mêmes, parce que nous autres Tunisiens sommes pluriels, arabo-musulmans, nord-africains et maghrébins aux yeux des uns, laïcs, occidentaux et méditerranéens aux yeux des autres. Nul paradoxe dans ce que je viens d'exposer. En tant que méditerranéens, habitants de la terre du milieu, nous sommes à la croisée des chemins. Nous autres Tunisiens sommes pluriels et il nous faut cultiver cette qualité en nous considérant nous-mêmes avec les yeux des autres peuples. Peut-être la Tunisie à venir nous dira-t-elle, tête et poings levés, je m'appelle Tunisie. Sur les bords des lèvres, c'est vert. Ni le voyage n'a commencé, ni la traversée n'a pris fin. Les mots font s'embrasser deux rives d'un autre âge. La terre du milieu qui met fin aux confins trace sur les eaux cavalières en partage les voix et images des mille et un parfums d'un nord en quête de son sud, demeuré sage. Sud qui n'a pas perdu le nord et n'a pas faim. À l'égal de Tunis, Marseille, sœur côtière, lèvres closes où plaies désormais suturées, deux pensées sauvages à 100 000 chimères, lèvres closes, dis-je, où la mer liberté, où la mer Méditerranée éploie serrée. Ah, libre liberté, mer, ô éternité. Merci.